Bienvenue, je sais pas, sur ma chaîne YouTube, Askip. Alors, c'est pas une chaîne de vlog moto, c'est pas une chaîne de mécanique, c'est pas une chaîne de camion. En fait, c'est juste chez moi. C'est ce que je fais. Je bricole, je fais de la bécane, je bricole mon camion, je bricole des voitures, je fais des trucs, je m'amuse. Voilà, c'est tout ce que tu vas retrouver ici. Donc, si tu t'attendais à une chaîne de vlog moto supplémentaire, je te conseille de passer une vidéo suivante. Et puis, sinon, bonne vidéo. Bon, là, comme tu vois, la belle est dehors, à prendre le soleil, pour se préparer pour la descente des motos, en attendant la remorquer dedans, pour faire 2-3 bricoles, qui ne seront pas sur dans cette vidéo. Hein. T'enflamme pas, ça sera que sur TikTok, celle-là. Et puis, voilà, après, on va se préparer. Ah, là, une autre petite bestiole. On va se préparer tranquillement et puis partir pour la belle petite descente des motos. Ouais. Clap. Bon alors, comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui je pars pour faire la descente des motos. Coucou toi beau gosse. Donc je vais rejoindre deux amis sur le Havre. Ensuite on part pour Fécamp pour faire la descente des motos et qui fête cette année son 50e anniversaire. Donc à mon avis, ça va être joyeux. Allez, à Panitao, à Gaboyo tout de suite là. Tout de bout. Tout de bout, tout de bout. Quand vous roulez derrière un camion, mettez-vous toujours à sa gauche. Si vous voyez pas le chauffeur, c'est que lui vous voit pas les copains. Parole de routier. Allez, on se fait un kiff, gaz jusqu'à 130. On est un peu plus de 130. On va se calmer. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Ah bah vous les faites peigner moi. Ah bah vous roulez plus vite hein. Oh. Oh, un belge. On va doubler le belge. Bonjour chez toi le belge. Allez, on prend un petit peu d'autoroute, un peu de national, et on arrive au Havre pour rejoindre la copine Pauline et le poteau Willow. Bah ouais, on n'ira pas tout seul à la descente des motos, mon copain. Par contre, je suis peut-être pressé, hein, mais j'ai pas la force à route-dessus, donc tu vois. Là, on a pris la petite portion d'autoroute gratuite. On va s'en ressortir sur Pont-l'Évêque pour récupérer tout par la nationale jusqu'au Havre. Parce que l'avantage en moto, c'est que le pont de Normandie, je le paye pas. Donc autant ne prendre aucun payage, t'as vu. Allez, la petite sortie pour l'évêque. Bon, désolé, hein, moi je fais pas d'acrobatie, je pose pas le genou à terre. Je roule, c'est déjà bien, d'accord? Allez hop, le Havre. Allez, zou. Oh, un vélocipède. Je ne comprends décidément pas cette espèce. Rouler à deux roues, mais sans moteur. Quel est l'intérêt, me direz-vous, hein? Franchement, je comprends pas, je n'arrive pas à saisir. Bon, allez,
On est reparti pour un peu de national. Ah, la belle petite descente de Fixler. Qu'est-ce que j'aime trop passer par là, franchement. C'est trop bien. Allez, après ça, on débarque à côté d'Honfleur, en Normandie, et Le Havre. Oh, la petite Léone est faire là. Pop, 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 pop. Compadres. Pareil, quand t'as un vrai motard, tu poses jamais le pied à terre. C'est vrai ça? Allez, on arrive au pont de Normandie. Regarde-moi cette beauté. Ma. Aïe, bon billet. Qu'on la beau même. Là-bas, on peut voir le port du Havre. Là où je travaillais avant. Quand je faisais du conteneur, hein. Maintenant, je suis en taute. Je suis beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup moins... Beaucoup moins routinier. La belle Seine. Et là, le coucher de soleil dans le port du Havre. Ah, là, par contre, vaut mieux pas y aller, hein. Là, c'est de la bave. Si tu mets le pied dedans, t'en ressors pas. Hein. Enfin, en tous les cas, c'est pas garanti. T'es pas un beau modèle. T'es même pas belle. Je rentre dans la chambre et puis je dégaine mon opinel. L'officiel, ce sera la plus belle. Tempé couteau, c'est la section criminelle. La gratuité, ça fait plaisir quand même. Hein. Allez, nouvelle arrivée au Havre. On rejoint la...
la copine Pauline et le poteau Willow. On fait un petit peu le plein et on y va. Normalement, je crois que la copine Pauline est arrivée. Ah, quoique, je vois pas de MT à l'horizon. Et qu'elle est pas... Me dis pas que je suis le premier quand même. Pour moi, j'étais parti à la bourre. Je me suis dit, putain, je vais arriver en retard et tout. Au final, non, je suis le premier, c'est arrivé. Tout va bien. Tout va bien. Bon, allez, on va en profiter, faire un peu d'essence. Parce que là, la soif. Allez, j'ai sorti le costume de Père Noël. Kikinia. Et là, bah, on a Spider Girl. Hein. C'est la copine Pauline. Allez, rejoins Willow qui est parti devant. Allez, go. Ah, le SC Wish. Allez, on est parti. On a récupéré les deux copains. On peut aller à Fécamp pour faire la descente. Ça va être sympa. Deux Pères Noël, une Spider Girl. Voilà, on arrive à Fécamp. On va aller rejoindre le groupe pour la descente. Bon, ça va, la route a été rapide. Là, on arrive tranquillement. Il y a déjà des gens sur le bord des routes par endroit. C'est pas mal. Franchement, c'est une bonne ambiance. Et en vrai, quand t'es dans le coin, c'est un truc à faire au moins une fois en tant que motard. Parce que vraiment, c'est un délire. La descente, c'est un délire, pas possible. Enfin, vous allez voir ça tout à l'heure. Allez, on arrive tranquillement, un Père Noël devant, un Père Noël au milieu, une Spider Girl derrière, Spider Girl, pardon. Ça va être sympa. Par contre, on n'a pas pris de bonbons, les enfants, alors calmez. On arrive tranquillement, là on va rejoindre tout le cortège de la descente, ça va encore être un bordel. Voilà, les routes sont fermées pour nous, pour qu'on puisse passer, parce qu'en vérité, là nous on est arrivé qu'à 3 tranquillement, mais il y a plusieurs départs dans différentes villes, donc ce qui fait que tu as des centaines de motards qui arrivent d'un coup, d'une grosse balade qu'ils font avant de venir. Donc du coup, il faut quand même une petite organisation avec tout ça. Parce que du coup, ça fait un gros bordel. Bon, ce qui est cool, c'est que les gens sont contents. Les gens nous attendent au bord des routes. C'est sympa, les gamins sont contents, les vieux, les jeunes. Donc c'est plutôt cool. Franchement, à faire, c'est grave sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu beaucoup de motos. Hein. Il n'y en a pas qu'une ou deux. Hein. Ça, je peux te le dire. Ça commence déjà, les rupteurs, etc. Bon, moi, je vais pas commencer tout de suite. Le problème, c'est que la mienne en Airville, elle a tendance à chauffer vachement vite. Bon, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Ça commence à faire un petit peu de monde, tout ça. Hein. Là, ça commence à chauffer. Alors, elle, on va la couper, hein, histoire qu'elle prenne pas trop le chaud. Et puis, on va attendre, hein, parce que là, ça avance un petit peu pour aller sur la grande ligne droite, pour attendre le temps d'aller faire la descente. Oh, puis elle, avec son SC Wish, là, va se calmer. Tu vas te calmer avec ton SC Wish, toi. Oh.
Ah, il y a des motards piétons ce soir. Allez, on va se caler pour essayer d'attendre les copains. C'est bon, les copains sont là. Oula, ça sort des belles flammes là-dedans. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus chiant dans la descente. C'est de ravancer juste comme ça. C'est comme dans les bouchons, sauf que dans les bouchons, normalement, les motos se faufilent. Là, on peut pas, parce qu'il y a que des motos. Ça pose un peu problème. Voilà, c'est parti. On démarre à la descente. Bon, on est dans les derniers du cortège, mais bon, sympa quand même. Clôturer ça ici, aller se boire un coup et rentrer tranquille après parce que là, c'est cool.